finale. Très bon départ des Grasshoppers de Zurich en bleu et blanc contre le Dynamo de Tbilissi. 1-0 pour les Suisses, qui avaient perdu sur la même marque au match aller. C'est un but de Sulzer. Quatrième top. Il sera exactement 22h53. Ce but de Sulzer. À ce moment-là, égalité sur l'ensemble des deux rencontres. Et dans quelques instants, vous allez voir les Géorgiens de Tbilissi qui vont avoir une chance de marquer à l'extérieur. Mais une fois de plus, le tir va échouer sur la transversale. C'est la 9e ou la 10e fois de la soirée qu'un tir est repoussé soit par un poteau, soit par une transversale. Le voici ce tir. Et à la mi-temps, 1-0 pour Zurich. Dès le début de la deuxième mi-temps, les sauterelles suisses, grâce au père, veut dire sauterelles, vont bénéficier d'un pénalty. Elsener et Fauché. Le pénalty va être tiré par Ponté. 2-0. 53 minutes. 40 qui est joyeux. Secondes. Oh le vilain geste. Après tout, c'est peut-être de l'humour suisse. Nous revoyons en tout cas ce pénalty. Au quatrième top. Réussi par Ponté. 22h54. Soviétique attaque maintenant par Kipiani. Ils n'ont qu'un but de retard après tout sur l'ensemble des deux matchs. Et là, il pensait bien avoir obtenu un pénalty. C'est en tout cas l'avis de, je prends mon souffle, Tchichak Kachvili. Il a protesté auprès de l'arbitre. Qui sort un carton jaune. Le joueur semble ne pas aimer cette couleur. Et l'arbitre, après avoir ramassé son carton, voit rouge. Et oui, c'est l'expulsion. Tbilissi joue à 10. Et les Grasshoppers vont en profiter. Sur ce coup franc, regardez bien, Ponté va marquer directement. Gobelia, le gardien de but soviétique, était vraiment très mal placé. 3-0 pour les Grasshoppers de Zurich. 54 minutes, 40 secondes. Et oui, c'est la joie, les Grasshoppers de Zurich qui vont continuer à attaquer, vont même réussir un quatrième but par Elsener. C'est le cas. 55 minutes. Allez voir dans quelques instants ce but d'Elsener. Et oui, les Suisses qui sont vraiment redoutables sur leur stade fétiche de Hartum, ils ont réussi 15 buts en 3 matchs. 10 secondes.